Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mais yon pas quitter pays à fonctionner pour faire bagay ça. André Michel, nous elle t'a acheté Kai Saint-Domingue. Ok? Qui j'en fait André Michel à Saint-Domingue? Parce que monsieur fait 4 millions. Ça a 4 millions qui permettent de faire passeport li. Qui permettent de l'ouvrir compte en banque. Qui permettent de gagner 4 de crédit. Qui permettent de faire transaction dans contribution. Dans quel que soit le bureau de l'État qui a besoin de faire transaction. Ou besoin de 4 millions. Donc, l'un des gladou à retirer Titus qui gagne dans 4 millions. C'est vous-même comme citoyen qui parle d'exister. Pendant que lui-même il gagne 4 millions poche. Et vous savez d'où c'est ce qui bat imbécile qui va prendre. C'est pour ça ou même, comme on qui est intelligent, on va pas quitter nèg politicien traditionnel, alpha bay, fait bagaille moun sot. Demain matin, l'on besoin de l'hôpital, l'on besoin 4 là. L'on besoin de mener petit tout l'école, ou a besoin 4 là. L'on besoin de l'un DGI pour faire partant, ou a besoin 4 là. L'on besoin de faire acte de naissance, ou a besoin 4 là. Quel que soit sauvé ton société, ou besoin de carte d'identification nationale. Donc, l'on politicien traditionnel, quand on André Michel Abdou consacré, détruit 4 là et tête ou ap détruit. Donc, ou pas sot, ou pas imbécile, son monde intelligent pour y. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, à zami, qu'on se parle, c'est ne qui met système yo. A éduqué. Bon. Et va aller pour plan. Ça m'a besoin de parler, le nec l'huile là. À cause de politique l'huile que monsieur fait. Il y a au moins 47 personnes qui mourent. Un accident a fait l'huile. Monsieur fait promotion de l'IA. On est comme ça. Vous devez poser la question. Ouais. Et pour qu'il y ait une plainte de millions pour le PA. Monsieur devez répondre à la question sur vous. Et bah, qui passe dans la diplomatie, non, en corruption au niveau de la diplomatie. Monsieur devez répondre pour vous. Sous privé, ok, il y a un monsieur à l'aéroport. Et monsieur fait 2 milliards, 400 millions de gouttes dans l'aéroport. Et monsieur te doit répondre à une question pour ça, ou j'aime donner monsieur répondre à une question sur bagaille ça. Donc moi-même, moi mon bail qui est clair, c'est que n'est qui met système, yo, n'est pas le système n'a changé. Imaginons un sénateur qui a fait 6 à 10 millions de gouttes par mois, libéral le système ça a changé. Un sénateur qui est plus puissant par son président dans le pays, libéral le système n'a changé. Un sénateur qui a fait ministre chanter, premier ministre chanter pour porter comme. L'État, comme qui te doit bâtir l'hôpital, bâtir l'école, bâtir route et des paysans. On va se négocier le système, ça a changé. Oligarque corrompu, qui finit voler, varer, qui finit piller dans la route, les piller dans la surfacturation, les piller dans le BMPAD, les piller dans l'ONA, les voler téléco, les voler ciment d'Haïti, les voler minoterie d'Haïti, les acheter le bout de goudin. On va se négocier après APN, non, mais nous. Tout conteneur qui a venu, c'est eux-mêmes qui ont soussé contre le conteneur. On pense que ça va quitter le système n'a changé. C'est comme ça que Boulos à Dimitri Vob a menacé le droit de vote dans le référendum. En le Dimitri Vob était là fait menace sur Facebook contre bulletin de vote. Livo et Danton Léger a fait menace manchette sous. Le système n'a pas changé. Il n'a pas respecté le bulletin de vote. Les boulots, ça fait menace contre le référendum. Non. C'est bulletin de vote qu'elle va respecter. Vous répétez-nous ça déjà. Pire gros pouvoir qui vient dans le pays, c'est vous-même qui avez dit là. Il y a les bulletins de vote qui sont dans mon lan. Depuis que vous voulez retirer le bulletin de vote là, depuis que vous parlez de transition, ces bulletins de vote là, vous avez besoin de retirer dans mon. On est qui remet démocratie, ou remet peuple, ou remet pays, il faut faire peuple la confiance à bulletin qui n'amène là. Qui te peuple a exercé pouvoir lui, c'est le peuple souverain, c'est lui qui souveraineté nationale pays a. Expression de souveraineté nationale pays a et dans bulletin de vote. Pour qui ça n'est que le bulletin de vote ou comme ça? Où doit poser cette question? Pour qui ça Réginald Boulos fait bulletin de vote? Pour qui ça Dimitri Vob fait bulletin de vote? Pour qui ça Stéphane Kolz fait bulletin de vote? Pour qui ça n'est que campé en face de la souveraineté nationale, qui c'est au même citoyen à bulletin de vote qui n'a mon là? Moi-même qui parle avec vous là, je respecte qu'on vote oui pour changer le système non. Le référendum non fait. Qu'on vote non pour qu'il y ait un système non.
c'est droit constitutionnel ou que m'doué respecté. M'ba doué pelle comme citoyen qui vivent dans le pays. Nous sommes démocrates. M'respecté dans la démocratie, ça relève règle de la majorité. Si moun qui vote, oui, vous changez le système, nan, c'est aucun plus vote, m'a respecté ça. Si moun qui vote non, qui va le système nan changer, c'est aucun la majorité, m'a respecté ça. C'est l'expression de la démocratie, c'est l'expression de la souveraineté nationale. Bulletin de vote. Mais ça, aucun pas face bulletin de vote. Depuis que vous voyez dans ton léger, André Michel et Labrie, elle fait menace, manchette, brassard, rouge, ou, même ma coûte pas de faire menace à eux. Ma coûte que n'est-ce qu'on critique, il n'y a pas de faire menace à eux. Référendum, non, pas de violence là-dedans, non, en 1987. Même ma coûte là, qui pas d'accord à référendum, non, à cause de l'article 191 là. Même petit l'église, qui pas de la constitution parce qu'il n'y a pas de quoi dans la démocratie. Yo te kwen non pouvoir personnel écrasé zo nèg yo pas de constitution pour être ça yo te vle un régime dans Cuba ou Nicaragua pour yo mettre un régime totalitaire en place de gauche violence pas fait non peuple t'a voté le 29 mars 87 gen 1 200 000 moun qui t'ai voté le 29 mars 87 98% voté oui 2% voté non jodi a pour qui ça oligarque corrompu yo fait bulletin de vote comme ça. Je crois que des nègres qui restent avec eux, qui font partie d'opposition radicale là, qui disent dans la démocratie que vous faut que ça vous fasse devant tout. Je suspecte dans cette émission qui a fait, ils ne font pas qu'elle parle en pile. Ils ne vont pas parler des bulletins de vote là. Et les nègres ont été doués, ça. Les nègres ne font pas qu'elle invention toute la journée, fabrication. Les nègres ont venu avec inculpé, ils ont échoué. Négal des JG en dans parlement, 79 députés, c'est toi voter oui, tout le monde pas d'accord. Yo c'est ton montage qui est lié. Négal vient avec pays lok qui crase économie, c'est peuple de lok pays. Négal était dans bouler l'école, yo boulé l'école et communauté dans grand milieu dit non, yo boulé centre formation de professionnels dans Milo, yo boulé lycée Léogane, yo boulé lycée Pinchina dans Jacmel. Yo ba di jonne l'école à matière fécale pour yo même empêcher les propositions voulait empêcher petit peuple à l'école pendant petit pa yo l'école à l'étranger peuple a relouvri l'école sous yo peuple a dit avni petit moi pas barricade avni petit moi c'est éducation yo échoue encore en septembre 2020 yo commence un nouveau coup d'état qui te doit atterrir 7 février 2021 li échoue encore. Ils ont vu avec un faux bagage, mandat fini, 7 février 2021, pour qu'ils fassent coup d'État. Peuple a pas choc. Peuple a dit, à la Constitution, centrale Constitution, mandat au président, c'est 5 ans. Peuple a ouais, journal, c'est 7 février 2017 qu'elle prête serment. Vous mettez 5 sous l'île pour 2022. Peuple a pas pris un carbone, elle n'a pas marché. Ils ont crasé le système judiciaire. Parce qu'ils ont pris deux juges, coup de cassation, elle fait ou fait tintin. Même les qui finit crasé. La mea, c'est eux-mêmes qui crasent le Parlement, qui font violence dans le Sénat toute la journée. Bah disons le Sénat en matière fécale. Ils ont même capable de craser la justice. Hein? Et eux-mêmes qui besoin de craser la police en tout. Oui? Comme si tout le monde n'était pas clair. Ils ont pris un nouveau égaré. Comme si Matisse qui n'a pas vivre là, il y a eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes qui te prennent gang yo, qui fait sortir dans le pays lock pour te mettre barricade pour eux pendant le pays lock en 2018-2019. Et puis je dis, il y a un poste, il y a pas de gang. Photo yo là, oui. Sénateur qui était dans le pays, qui était qu'on a marché à gang yo dans votre poste. Photo yo là, vidéo là, sur YouTube pour les gens qui besoin de vous. Les sénateurs même qui t'ont devant palais avec tout gang yo sous cette machine. Tout le monde qui journaliste sous la radio qui t'a fait promotion gang yo pendant le pays. Lok. Tout nèg songe comment nèg yo a encouragé gang tiré sous la police pendant pays lok. Et puis je veux dire nèg yo prend nous pour égarer a prend pas c'est pas eux même qui dans gang yo. Yo même oui pendant pays lok a fait gang tiré sous la police. La police a débloqué la rue avec CNE avec masonge qui organisation l'état encore pendant la police a débloqué la rue nèg yo voye gang a tiré sous la police.
Nego pense nous gagne temps. Nego prend nous pour égarer. Parce qu'on gagne 2-3 nèg dans radio payé pour faire audition. Vous pensez que tout le monde comprend à quoi nous soit dit. Monsieur, mais m'a dit nous franchement, ouais pays ça. Ou même cap tande là. Avni petit tout pas barricade. Avni petit tout pas gang. Avni petit tout pas boule caoutchouc. Avni petit tout c'est éducation qu'elle y est. Ça va le permettre que tout rêve qu'elle gagne qu'a vienne tourner réalité, c'est ça qu'a venir petit tout. Donc l'on est proposition radicale là, al badijon l'école. Petit tout à matière fécale ou à qui qualité moun ou en a fait. On est vous dit vous leader politique de l'opposition. Pour qu'on chite à la caille ou qui sont à planifier pour al badijonner l'école petit peuple à matière fécale. Mais je moi ça n'en vit non. Allez dit que yo vlo tout non petit tout non chimé. Yo vle petit tout ton analphabet. Yo pas vle petit tout gagne rien dans tête li pour gagne avenir demain. Nous pas prendre ça nan main mes amis. On va le voter, attendez. Bulletin de vote ou que nèg yo vle révoquer dans réunion dans hôtel Marriott que pas ka éliminer. On va le voter. On va le montrer nèg yo pouvoir c'est nan main que oui. C'est vrai comment l'ICA servi de facilitateur et encourager tout acteur, tout secteur à utiliser la voie du dialogue pour résoudre la situation actuelle. Est-ce qu'il y a des recommandations? Certainement le mission après il fait quitter Haïti, il y a un rapport à présenter. Et le rapport là, je ne sais pas qu'on est, ça le bral dit, ni ça le penser. Même penser à partir de rencontres liées avec les différents secteurs de la société, les différents acteurs, la politique là. Et il parle produit un rapport de ça le temps de ça le ouais, et de ça le dit. Même pas qu'à dire exactement prévoir qui recommandation la bien là-dedans, qui ça la bien là-dedans. Il y a des acteurs politiques clairs qui ont une position qui arrêtent et qui soudainement béton. C'est la politique, mais le volant en politique. Car il y a des positions dures, mais positions dures là, après négociation, et tout acteur qui a visé, il a rabattu sur des positions qui sont beaucoup plus conciliables. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que lors de la négociation, il a parti sur une position dure, mais au cours de la fin de négociation, ou qu'on veut raviser, on veut une position qui est beaucoup plus souple. Mais l'essentiel, c'est que nous espérons que tout secteur, tout acteur, qu'a apporté contribution au niveau par eux, pour nous voir comment nous résoudre la crise, parce que le pays va continuer comme ça. Pour voir lui-même, pas oublier que c'est concernant dans l'OEA qui offrit bon office lui, et pouvoir accepter l'offre là, et ils ont officiellement demandé ok, ils va venir, et nous avons fait vers pour venir, et bien, bah, c'est pouvoir, bien pour devoir, le rencontrer avec la délégation, pour lui présenter la situation et lecture de situation ça. Et pour qui au moins permettre mission comprendre et véritablement jouer qui ça vient là qui veut cause tout ça pour permettre de comprendre mieux la situation et à partir de rencontre par eux car au moins orienter ou bien faire une idée tout de la rencontre bien d'autres secteurs. Mais au départ il y a des acteurs qui déclinaient. On va connaître sur décliner et parce qu'il n'y a pas même fait invitation. On connaît que le bureau de l'OEA en Haïti fait des invitations et on va connaître si tout le monde accepte ou pas. Il reste pour nous retenir, pour nous rester à la sortie. Vous avez des informations de ce qui a passé en Haïti? Est-ce que vous avez avec nous de toute faite des décisions? Non, parce que combat, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre l'OEA, l'organisation elle-même, sa structure et les ambassadeurs représentants permanents. Parce que Michel Kabina, il est composé de 5 ambassadeurs représentants permanents et 4 ambassadeurs avec un chargé d'affaires et représentants permanents de 4 pays, 5 pays états membres. Mais l'OEA lui-même, puisque le souterrain, il y a des informations, les impliquer d'une certaine manière dans la prise là, les bailler des informations. Et à partir des informations, ça va bailler, ils vont venir pour faire mission. Mission l'OEA en Haïti, nous avons une première mission déjà venue en Haïti pour des situations de crise politique. Donc, à dire, la crise est toujours là. Mais l'essentiel, c'est que ce qui est important, c'est l'organisation en elle-même. Il est là chaque fois qu'on est un membre qui a un problème politique quelconque, qui souhaitait que l'y aider et l'organisation chaque lui prévoit ça, que pour lui venir et voir comment aider l'État membre ça sortir la crise là. Mais on va croire qu'il y a un autre acteur qui est plus important, la solution crise ça que les acteurs haïtiens eux-mêmes. C'est nos politiciens, nos hommes politiques, pour que chita avec nos dirigeants, pour que nous puissions entendre un point commun, pour nous recommander à résoudre le problème du pays d'Haïti. Parce que la solution doit être une solution haïtienne. Et ça ne veut pas dire pour autant que, pendant qu'on cherche une solution haïtienne, on va chercher l'assistance des amis internationaux. Parce que le monde de l'Ampiti, son petit village,
et Haïti, comme dans d'autres pays, quand il y a des problèmes, qui fait appel à médiation et des autres pays amis ou bien des autres organisations internationales. C'est pour dire que nous espérons que Haïtiens eux-mêmes d'abord, que nous cherchons une façon pour nous trouver une solution, mais il y a une contribution de l'OEA qui a juste son barrage symbolique. Dans la mesure où nos acteurs, nos politiciens, nos autorités, ils ont accepté Yoshita et ouais, comment nous résoudre et nous résoudre le problème Haïti. C'est possible. Demain à qui? Délégation à privé demain matin et dans la matinée et immédiatement arrivé à mettre au travail. Il demeure entendu que l'organisation du référendum constitutionnel et des élections relève du Conseil électoral provisoire, organe indépendant du pouvoir politique et garant de la neutralité du processus. Néanmoins, la réussite du processus référendaire et électoral dépend d'une synergie des co-dépositaires de l'autorité publique en vue de permettre au peuple d'exercer en toute quiétude ces deux actes de souveraineté, en l'occurrence, voter aux élections et participer au référendum. Loin de nous, l'idée de minimiser la force de frappe des partisans du chaos et des ennemis de la démocratie. D'ailleurs, ils en ont fait la démonstration à plusieurs reprises. En revanche, en votre qualité de défenseur né de la société, d'OPJ et d'autorité de poursuite, vous êtes légalement tenu de les mettre hors d'état de nuire. Les pyromanes et les casseurs ne peuvent pas et ne doivent pas mettre l'État en déroute. La tolérance est l'un des fondements de la démocratie que nous sommes en train de construire et de renforcer. La minorité a donc droit de citer. C'est le pluralisme idéologique. Elle a aussi le droit d'utiliser le répertoire d'action collective pour protester pacifiquement sur la voie publique, moyennant notification préalable à la police nationale d'Haïti ou par toute autre voie autorisée par la Constitution et par la loi. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je vous instruis, Madame, Messieurs les commissaires du gouvernement, de renforcer votre collaboration avec la police nationale d'Haïti en vue d'identifier et de poursuivre légalement les pyromanes et les casseurs, fossoyeurs de la démocratie déguisés en militants politiques. Je vous enjoins de prêter main forte aux équipes du CEP dans vos juridictions respectives et sur leurs demandes en vue de la réussite du processus référendaire et électoral. Le peuple qui est le souverain doit pouvoir s'exprimer librement lors du référendum et des élections visant à renouveler démocratiquement le personnel politique. Ce, peu importe la date décidée par le CEP. Quiconque aura été pris en flagrant délit sera arrêté et légalement poursuivi. Le wafer brigandaille, la police a maré. Concordaille, al nan radio dit, c'est militant politique, ça pas fait au lagé. N'a demandé toute maman et papa petit pour veiller tout politicien radicalé qui a manipulé et puis utilisé petit yo pour aller bouler caoutchouc, mettre des faits et puis faire brigandage pour yo. Pendant yo pas quitté petit paioa, fait ça pour la police par arrêter. Pas quitter le monde, manipuler nous.
pas quitter politicien rat do calé utiliser nous. Nous prenons un référendum là. N'a voté oui ou bien non. J'en oublie. Voix peuple, c'est voix bon Dieu. Pièce monde pas gain droit ni légitimité pour empêcher un peuple bay tête li une nouvelle constitution. Depuis longtemps dans le pays d'Haïti, y a un petit groupe monde toujours voulu. C'est eux qui pour décider dans place peuple là. Parce que dans tête pa yo yo pi monde passer tout monde. Ça qui red là genan yo l'air dans élection yo fait 0% démocratie a pas marché comme ça. Tout monde c'est monde, tout monde égal égo, pas gen monde pas c'est monde. Peuple là c'est celle souverain, celle lui-même qui a décidé by tête li yon l'autre contrat social. Et personne n'a pas empêché. Le président Jovenel Moïse n'a pas quitté personne parce que le peuple en bas pied. Chaque citoyen doit voter oui ou bien voter non. Mais antidémocratie n'a pas empêché le peuple exprimer librement. Haïti, c'est maman nous. Il n'y a pas de pousser de nous pour aller vivre car belle. Ça s'écrit diaspora dans quatre mondes là. Nous-mêmes dans Haïti Kiskeya. Nous-mêmes dans débloqué Haïti. Nous-mêmes dans l'organisation des bases. Nous disons ça. À ces fiscales paysans à reposer sous de nous-mêmes diaspora. C'est nous-mêmes qui avons poussé de nous. Leur constitution pays. Je ne veux dire, nous mettons nous derrière pour nous dire. Diaspora dans quatre mondes, nous n'avons pas qu'à prendre encore. Nous bouquons. Diaspora dans Chili. Plein vous êtes au casier, il n'est pas capable de jouer, capable légal dans le pays. L'État pays, pour responsabilité. Nous disons non à toute discrimination qui a fait sous forme. Et surtout en République dominicaine, moi représente PORHR2. Moi, c'est responsable communication et relations publiques. Nous demandons pour qu'il y ait une caravane d'identification qui fait pour nous-mêmes haïtiens qui sont en République dominicaine. Les nous en République dominicaine, nous subissons tout ça que nous ne pouvons pas subir. Et nous Sibiyos, ce n'est pas faute nous que nous Sibiyos, nous avons volonté pour nous payer nous pour nous venir travailler. Nous avons volonté pour nous reconnaître nous comme diaspora, pour toute diaspora. Parce que de vous parler en Haïti, quel que soit sur la planète Corée, où c'est diaspora, qui donc nous-mêmes nous payons PRD, que nous reconnaître. Que nous-mêmes, nous devons promettre pour l'intégration diaspora, l'intégration haïtienne qui est en République dominicaine, pour reconnaître comme diaspora, pour toute diaspora. Je dis à me penser que ce n'est pas violence qui pourra faire dans le pays. L'île est le temps pour nous gagner un pays, côté pour tout touristes qui viennent visiter. Je dis à ce n'est pas ZAM pour y avoir un garçon dans le quartier populaire. Je dis à ce n'est pas ZAM pour y avoir une jeunesse là. Nous disons ça, constitution 87 là. Nous connaissons son constitution qui finit grand monde. Et pendant qu'elle finit grand monde, nous connaissons, nous voyons la constitution qui vient pour le voter. Nous demandons que pour toute bagaille faire transparence, pour tout haïtien en général, à voter référendum pour nous changer l'avenir du pays. Parce que longtemps, les nègres ont voté la constitution qui était là. Dans le moment, et fait Pâques, c'est 1 million de gouttes pour poisson. Il y a payé caille pour Negio. Et pendant que c'est un jeune garçon qui est dans la ria, qui n'a pas payé l'université. Qui est jeune garçon dans la ria, qui n'a pas à l'école. Qui est petit monde dans la ria, c'est à terre, sous champ de masse abdomi. Je dis Negio, il ne faut pas faire politique ça pays. Pays, je le dis, c'est le monde qui est tête ensemble. C'est le monde qui veut faire pays. Gardez phrase, nous devons l'occuper. Gardez comment lié, nous prenons humiliation. Je dis à ce que nous dire, nous voyons la constitution qui vient pour le faire là, c'est pour tout haïtien en général, masse défavorisée, pour nous mettre ensemble, pour nous voter référendum. Il y a des difficultés pour faire un cap électoral. Par exemple, en Dominicanie, il y a des gens qui relèvent nous, qui disent nous, ils ont payé les machines, aller et tout, bien cher, ils font cap, ils n'ont pas qu'à faire. Et nous demandé, ministre, Affaires étrangères, qui c'est Claude Joseph, en même temps, qui c'est Premier ministre, n'a demandé de prendre responsabilité pour les gens qui vivent dans la diaspora, pour reconnaître
comme des vrais haïtiens. Nous-mêmes, nous ne pas prêter indifférents pendant droit prenons accès nous qui a supporté l'économie haïtienne pour nous pas défendre jusqu'à ce que la revendication nous satisfait. En Haïti, nous prenons $50 sur yo, nous prenons l'argent sur appel, yo, mais nous ne faisons rien. Nous l'avons pour nous, bah place yo, dans l'espace politique pays. Ya. Nous ne faisons rien. C'est dans ça, depuis que Haïti a toute l'organisation qui est présente là, nous dit, nous lançons la bataille aujourd'hui et la bataille continue jusqu'à ce que nos revendications nous satisfaits. En 76, en 87, il y a eu une constitution qui, jusqu'à présent, c'est lui qui a la mode. En Haïti, un an après l'indépendance, en 1804, en 1805, il y a eu une constitution, et celle de 1805. Et de l'indépendance à aujourd'hui, nous déjà arrivé dans 22 constitutions. Parce que nous mettons de côté partout sans l'ouverture en 1801, parce que le pays a été indépendant. Il y a pile de monde qui a fait gros études sur Haïti, qui fait connaître que Haïti, son pays, mangeur de constitution. Pour qui ça exactement, c'est parce que justement, toute constitution ça fait là, il y a toujours gagné des problèmes en dedans. Soit il y a défendre des intérêts mesquins, ou bien aux sources de conflits, ou bien sources de corruption. C'est ça que fait jodi à là, 34 ans après constitution 87 là, eh bien, en pile question à poser. D'ailleurs, c'est pas jodi à question ça commence à poser. C'est depuis en 1994, dans tout gros débat, tout le monde et constitutionnalistes, écrivains, intellectuels et états généraux sectoriels, il a montré nécessité pour changer la constitution 87 là. Mais il a toujours demandé tout, il faut qu'il considère la donne, il faut qu'il toujours qu'il la donne, tout acquis démocratique. On a dit d'abord que en 1987, pour élaborer la constitution ça, eh bien, la peur de la peur, pour témoigner, créer la peur tout, en dans la constitution 87 là. Et nous avons une constitution qui, d'abord, n'a pas de paquet de failles qui en dans. D'abord, son constitution qui est idéale. Un paquet d'articles là-dedans qui n'est pas jamais capable de appliquer. Une autre que nous connaissons très bien, c'est l'article 191 ans qui parlait de s'annuler conseil électoral permanent. Donc, depuis le 47, nous avons un conseil électoral provisoire. Bon, il est vrai que nous arrivons quand même à mettre campé un conseil électoral provisoire. Mais l'IPI grave toujours. L'en aller dans l'article 47 jusqu'à 87.5 ans qui mettait campé dans la constitution ça un conseil interdépartemental qui n'a jamais mis sous pied. En plus de ça, nous avons joué dans la constitution ça 87 là un caractère antidémocratique. L'en aller dans l'article 291 ans qui mettait qui vient faire un caractère qui parlait un caractère exclusif parce que en démocratie, c'est pas un texte de loi qui met un groupe monde dehors, c'est peuple lui-même qui a souveraineté à qui mettait le groupe Mounsa d'ailleurs. À côté de ça, nous venons tout en constitution 87 qui est instaurée une dictature parlementaire qui vient faire tout le monde qui est dans le gouvernement, par exemple, comme ministre, etc. Et ils viennent dépendre de parlementaires. Et ils viennent plus dépendre de parlementaires tant qu'ils dépendent de gouvernement, premier ministre ou bien de président même. Donc, ils viennent gagner une source de corruption là-dedans, côté ticrat, il faut un job qui baille, il faut l'argent qui baille. Nous venons à tout en dans même constitution 87 ça, l'autre problème qui posait, puisque l'IVIN fait de l'ARBA, on l'État dans l'État. Et qui s'acquivait? C'est qu'en 87, c'est son régime militaire, il a pété constitution campé, et bien, intérêt militaire qui a choisi, le monde qui a parlé de la constitution, était obligé d'entrer dans, malheureusement. Et dans même rubrique ça, toujours, nous venons joindre que plus passé 90% de monde qui a élaboré la constitution ça, et tout, t'as pas le député, sénateur, t'as pas le candidat au Sénat ou à la députation en après. Donc c'est ça que fait, on a besoin d'un constitution ça, on a établi, on a instauré, ça nous est en dictature parlementaire. Donc ça veut dire que je dis à là, tout le monde sentit besoin, nécessité pour nous capables de changer la constitution. Il faut que nous suspendions faire marronnage, suspendions faire démagogie. Parce que je dis à là, nous avons l'État, un chef de l'État qui vient avec l'idée. Mais son idée, l'Iran est officielle, mais qui n'a jamais depuis longtemps. Et j'en me dis là, depuis 1994, il y a un gros débat qui a fait sous constitution qui m'a dit qu'il faut qu'il change. Et je dis, pendant que le chef de l'État prend une décision pour le changer, eh bien, un pile problème posé. Ça vient créer une sorte de traumatisme.
Pour qui ça, ça vient une sorte de traumatisme, c'est parce que justement, au regard de l'histoire, nous avons un exemple devant eux qui a un problème. Nous avons dit que les ont commencé avec question référendum, c'est en 1918. Mais qui ça, qui l'idée de poter à le faire bagaille ça d'abord, c'est justement une question de droit de propriété aux étrangers. Nous avons rappelé que dans la constitution 1850, eh bien, on te dit, article 12, article 1, il faut connaître que quel que soit blanc, pour le pas de étranger, mais qui blanc quand même, parce que à l'époque, ou bien jusqu'à présent, on prend étranger dans le blanc. Eh bien, quel que soit étranger, eh bien, au blanc, qui mettait pied sous terre, il va mettre pied sous territoire ça, à titre de maître ou de propriétaire. Il va pas posséder, et même à la longue, il va pas posséder. Il y a des raisons de contourner l'article ça, donc au référendum. Maintenant, puis il faut pas jouer, gagner 1928, 1935, 39, ou pas le joindre en 61, ou pas le joindre en 71, en 85 et en 87 qui vient voter en constitution avec un référendum. Maintenant, ça qui vient, c'est que là nous gardons tout référendum qui fait déjà yo, et tout ça qui fait déjà yo, le peuple a été voté oui pour yo. Et bien c'est ça qui fait mon devine peur qu'on y a. Et bien en dans tout ça qui est fait, tu as gagné intérêt mesquin de défendre. Par exemple, nous sommes capables de résumer pour nous dire que tu as une question président sa vie, tu as une question prolongation de mandat. En dans la constitution, ça y est, tu as un problème éthique parce que tu as un problème de droit de propriété. Et bien, c'est ça qui fait jodi à la, ça crée un traumatisme pour nos pères. Mais on nous dit clairement que jodi à en 2021, eh bien, les différents totalement de 1918, de tout ça nous sommes dit là comme référendum qui est fait. Jodi à son nécessité pour changer en constitution, pour venir avec une constitution qui reflétait aspiration peuple. Cependant, tout le monde nous dit et il doit respecter tout dans la nouvelle constitution et toutes les qui nous fait là dans le respecter, ça nous relève les acquis démocratiques qui ont là-dedans. Maintenant, nous dit que Jodia n'a pas raison pour gagner un traumatisme. Et j'en dis là, bon dramatisation, une certaine violence qui vient produire à travers ça, c'est parce que justement, et pas très souvent, nous pas pays, nous avons intérêt groupuscule, nous avons intérêt personnel, nous pas société. Or, c'est Montesquieu qui dit. Les lois découlent de la nature des choses. Donc, en constitution lui-même, il faut qu'il y ait toujours des changements qui portent la donne, même si nous sommes tout à l'heure que, depuis naissance des États-Unis jusqu'à présent, sont seuls les gagnants, mais non seuls là, il y a 27 amendements qui font. Ça veut dire chaque fois que la société a évolué, il faut qu'on change la constitution. Là, nous ne prenons pas nous en Haïti, non seulement nous avons un pile article, nous avons un pile petit article là, c'est 1807 avec 51 articles, 47 là, il y a 298, mais là, regardez, eh bien, dans tout le ça, c'est intérêt en groupe, en classe monde qui a défendu la donne. Donc, les peuples absents, il faut qu'il y ait un changement qui fait la donne de temps en temps. Je dis à la, référendum, non, pour moi-même, au regard de l'histoire, au regard même de la politique, c'est un bagaille qui est totalement indispensable. Songez, nous n'étions pas comme professeur d'école. Et je remercie tout le monde, assistance qui a participé dans le débat. Et je suis bien content, je dis à. Pour m'intervenir sur le concept référendum. Non? Justement, la semaine dernière, moi, ouais, sur les réseaux sociaux, il y a un journaliste qui a fait un micro-trottoir, côté qu'elle a posé des questions sur le référendum non? Avec les membres de la population. Et c'est avec difficulté que la population a parlé de référendum, a répondu à la question. Et tout de suite, il a dit que. Peuple a pas connu ça yo relé référendum. Donc moi crois que c'est une bonne initiative le que nous mettons débat et dans débat ça n'a parlé de référendum. Mais en plus de référendum non mais grand pile mot concept que nous utiliser en français ou bien en créole m'a demandé moi même intellectuel qui a parlé est-ce que vous comprenez le concept là? Par exemple, les dans le pays d'Haïti, nous disons c'est peuple. C'est un peuple. Nous disons c'est peuple. J'ai l'impression que il y a une confusion sous lui. Nous parlons de État. L'État. Nous parlons de État de droit. C'est tout bagay ça, yo, parfois, que nous ne comprenons pas. Et constitution, référendum, nan, tout ça rentre dans. Confusion qui méritait pour nous ta éclairci. Malheureusement, nous pas cap chita pour nous faire un débat sur tout, même quoi que il y a des concepts qui intéressants pour nous connaître.
Là, nous parlons des peuples. C'est un groupe de monde qui vivent sur un territoire avec une autonomie, une indépendance et ont décidé de l'avenir. Et groupe de monde qui a une souveraineté, ils ont formé une entité politique que nous relais l'État. Et l'État, ça, il doit protéger la population, il doit permettre de vivre, il doit librement, il doit permettre de tout et protéger li contre toute agression qui a sorti dehors qui a primé la liberté. Et justement, pour établir l'ordre dans la société, mais l'État, ça a trouvé tout et organisé libre, mettez des principes qui pour permettre que chaque monde qu'on limite yo pour yo pas briser liberté l'autre. Donc c'est justement ça dans tout état nous besoin ça relé la loi. Et ça nous relé constitution, c'est grand c'est loi principale là qui baille orientation avec l'autre loi yo. Et dans toute société, c'est la loi qui diriger. Ce n'est pas n'importe qui, chaque jour, qui décide de faire la loi par lui. Lorsqu'on a une loi qui cadre, tout le monde a suivi la loi, ça, laissez-le parler d'un état de droit. Ça veut dire que c'est la loi qui prime dans la société. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe qui l'est, n'importe qui moment décide de dire, mon cher, prends zone ça, c'est pour moi, on n'a pas capillé la dernière, et puis c'est moi qui ai dirigé la dernière. Et bien, lorsqu'on entre dans le système, ça, nous avons un système anarchie, et nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous devons prendre pile précaution, nous devons rapide, vite, corriger ce décalage, ça, parce que nous avons quitté l'igné, ça aurait l'état de droit. Nous sommes capables de dire, kounye a équipe moun k'ap di constitution pas important, est-ce que nous pensons ça yo raisonnable? Parce que c'est pas une question de qui moun k'ap fait constitution, mais c'est qui problème que constitution a pas adressé. Parce que moi pense que ces dernières années gon paquet comité qui monté pour yo té changer constitution déjà, peut-être yo pas abouti. Mais si n'a prend en date dernier comité qui té monté avec député Jerry Tardieu, yo té kon fait même ça que n'a fait là. Fait des contacts avec plusieurs secteurs, pour les revendications secteurs. Même parce que dans tout contact qui était fait, il y a un secteur qui était plus défavorisé, c'était le secteur femme. Parce que les géritaires de Alchita avec le secteur femme, fait nous faire des ateliers de travail pour nous porter des revendications, mais qui ça nous voulait, mais qui demande que nous gagnions. À notre grand étonnement, les nous sommes allés dans l'hôtel Montana pour nous garder des présentations. Seul ça que le dit que le secteur femme nous a demandé, c'est féminisation du document. Et l'autre bagage encore qui était étonné, nous n'avons pas qu'être acquis que nous avons dans le document, nous juste été nous voyons disparaître. Mais qu'on y a la chance que nous gagnons, bon Dieu, mettez-nous dans un carrefour historique. Côté surtout nous-mêmes dans le secteur femme, tout secteur qui vulnérable, secteur qui marginalisé, nous sommes capables de chita pour nous réfléchir, pour nous faire droit nous passer, pour nous dire mais qui ça nous voulait. Et avantage que nous gagnons avec CCI, chaque remaniement que nous faisons dans le document, nous portons le bas pour dire est-ce qu'on est d'accord avec elle. Ça veut dire au fur et à mesure que le document a fait, nous participer dans l'élaboration. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose liée. Son bagage pour nous encourager, son bagage pour nous impliquer dans la donne. Parce que c'est important pour voir nous passer. C'est important pour désidérata nous passer. Et pour ça, ce n'est pas chita pour nous dire, n'a pas chita la caillou. Parce que l'autre chita la caillou, il y a des gens qui ont fait politique là pour vous. Parce que politique, ce n'est pas l'autre qui entre dans le parti politique ou fait politique. Dès que vous existez en tant que personne, qu'on veut ou pas veut ou dans politique. Et faut nous essayer, et ça que nous-mêmes, en tant que représentants du secteur femmes, nous pensons que c'est important pour nous sensibiliser les femmes, les organisations femmes, surtout les structures qui marginalisées. Il faut que nous impliquions nous dans la politique. Parce que là, nous vivons une situation que nous voulons changer, c'est dans la politique là pour nous changer. C'est venir entrer côté une grosse décision qu'a pris pour nous venir by voir, pour nous dire mais ça nous parle et mais ça que nous voulons. Et dans le moment où nous arrivons là, le meilleur moyen pour nous changer les choses dans le pays, c'est impliquer nous dans le changement de la constitution, qui est maman loi pays. Surtout dans la bataille que mesdames ont menée la Kounia. Si nous disons que dans la nouvelle constitution, ça, nous assurons que nous gagnons quota et siège réservé, 40% minimum siège réservé dans le Parlement. Nous ne pouvons pas nous garantir l'élection faite. Nous ne pouvons pas seulement 4 femmes dans le Parlement. Mais pour ça, ce n'est pas chita pour nous dire après une élection. Même si nous avons dit que nous avons 10 000 femmes qui ont voté. Mais combien de femmes dans ce moment-là qui sont actives politiquement, qui ont des moyens politiques dans la main, qui ont des gros amours dans la rue, qui ont des goûts avec des nègres dans la rue? Surtout quand il y a une commune pour Carrefour, qui femme qui a jamais élu dans Carrefour si c'est pour un siège réservé que le joigne? Avec pile bandit gros âmes, qui même l'État n'a pas passé dans Carrefour.
Mais ça, il faut nous mettre des balises qui pour permettre nous-mêmes, les nous arriver dans la situation nous voulons intégrer, que place à tête là. Si nous prenons la bataille, nous prenons la bataille à armes égales avec une femme pareille, moi, les mal dans l'élection, nous prenons une femme pareille, moi, comme candidat, qui sont mères de famille responsables, qui connaissent pas pour tirer sur moi, parce qu'elles connaissent s'ils tirent sur moi, c'est plus misère à mettre dans le pays. Parce que nous-mêmes, en tant que femmes, nous pensons avec la avec tête, avec cœur. Nous pensons pour le développement, nous pensons pour la paix. Mais il faut nous impliquer, ce n'est pas chita dans la caille, et puis dire nous voulons pouvoir pas bien joindre nos politiques, pas bien faire cadeau là-dedans. So nous pensons que c'est plus que nécessaire pour mesdames yo impliquer. Pour les gens qui ne connaissent pas l'IO, nous avons des voisins pour la caille, nous avons des gens qui l'école, demandez pour yo lire documents pour nous essayer de comprendre ce que là-dedans. Pas quitter ces gens qui ont intérêt mesquin, j'ai ministre te dit, qui viennent nous mettre qui ça pour faire. Parce que laisser les gens qui ont dit, les gens ça pour faire en fonction de l'intérêt parle. Et le plus souvent, intérêt moun nan pas obligé, même intérêt ensemble avec vous. Ça veut dire que faut nous font bagay pour nous connaître, l'aime dit non, m'a bral voté, ou bien si m'a bral voté, m'a voté non, pour qui ça m'a bral voté non. Est-ce que ça que la constitution m'a bral, quel intérêt m'a donné? Est-ce que ça que la constitution m'a bral, quel rien qui a changé de positif dans la vie, sous qui ça va baser pour dire non? Parce que faut nous apprendre à décider en fonction de un bagay qui est concret. Je pense que l'important, plus que jamais, surtout, pour mesdames impliquer dans la bataille ça. Parce que l'espace de pouvoir, c'est là pour nous commencer à créer le bail tête. C'est là pour nous chercher l'espace pour nous bailler tête. Et nous pensons que la constitution, ça là, si la constitution a passé le 27 juin, si nous impliquons nous, tout ce que tu as mis ensemble pour nous dire, on peut te coller pour nous courir, mesdames, la constitution a passé, pas aucun gouvernement qui a monté dans le pays sans nous avoir 50% de femmes. La donne. Si y a 18 ministres, au moins il y a 9 femmes. Si dans le Parlement, la grande commune qui a 14 candidats, au moins d'office, nous connaissons 5 femmes là dans le département. Si le département a 14 candidats. Mais ça, pour le fait, il faut qu'il y ait un côté pour l'écrit. Parce que les garçons ne sont pas baoul comme ça. Déjà, si nous avons regardé dans la rencontre qui a gagné dernièrement avec le parti politique, il y a un député femme qui a laissé prendre la parole. Mais monsieur, il y a presque pas pour racher micro à Namel. Parce que le plus souvent, les gens qui ont fait politique, ils pensent que pour faire politique, là, c'est force liée, c'est violence liée. Alors que nous-mêmes, nous n'avons pas de culture de la violence. Mais pour nous passer, pour des idées ratées à nous passer, mais il faut que ce soit des balises, des principes qui sont déjà préétablis, qui pour permettre nous-mêmes qu'on y a dans la bataille selon une norme, selon des principes. Je pense que c'est plus que important pour nous porter coller pour 27 juin quand on réussit. Femme, à mettre avec tout secteur société civile là, pour nous parler à travers green vote. C'est pour nous parler, pour nous changer le pays. Parler pour nous faire un espace pour notre pouvoir de décision. C'est pour nous parler, pour nous faire changer la politique du pays. Nous parler pour nous faire la violence, l'égalité et la sécurité. Nous parler pour nous faire des droits, pour nous faire des droits sûrs, pour nous faire traiter comme le monde, pour nous faire croire les bandits. Nous parler pour les bandits, pour la diaspora, pour nous faire un site, pour nous faire une banque, au monde que nous contactons à chaque fois que nous avons besoin d'argent dans la main. C'est pour nous parler pour le pays. Ensemble, dans la société, nous mettons voix nous ensemble pour nous parler. Nous parler pour pouvoir, pour nous faire un pouvoir avec grain de vote. Nous. Vote nous, c'est clé pour assurer l'avenir. 27 juin, nous allons parler pour nous prendre destin en main. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché. Écoutez, qui attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous êtes branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.